Hey, I got something, something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got... Je suis sûre qu'aujourd'hui tu t'attendais à avoir des revues capillaires ou une vidéo capillaire conseil, astuce, bah non. Aujourd'hui, je vais te montrer comment est-ce que je prends soin de ma peau. Je t'ai déjà en plus fait une vidéo là-dessus sur la peau grasse, sur l'excès de sébum. Donc si tu l'as pas encore regardé, ma beauté, je te laisse aller regarder juste là, je te mets juste ici. On va se consacrer sur le bien de soi, voilà, prendre soin de soi et c'est ce que je vais te montrer maintenant. Pour le soin de ma douche, c'est le gel douche de chez Energy Fruit que j'aime beaucoup au mon œil. Il est vraiment génial, la composition franchement je l'adore, c'est made in France, c'est un pH neutre, c'est vegan et c'est à 98% d'origine naturelle. Donc voilà ma beauté, c'est ce que je vais utiliser sous ma douche et après je reviens pour le reste, pour ma skincare, pour le visage et aussi je vais te montrer comment est-ce que j'hydrate et je nourris ma peau. Donc voilà, donc je te dis à tout de suite ma beauté. Voilà ma beauté, j'ai fini de prendre ma douche, c'était trop bien, je me suis éclatée. J'ai mis de la crème, donc la crème que j'ai mis, je vais te montrer. C'est la crème de chez Cartier Paris, cosmétique et naturelle. C'est un lait corps au beurre de karité et au géranium, à l'huile essentielle du géranium. Honnêtement, c'est un très bon lait hydratant et aussi un peu nourrissant. Mais comme moi, j'ai la peau vraiment très 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 sec, du coup, ce que je viens faire, c'est que je viens en rajouter mon petit sérum huileux que moi-même je suis venue fabriquer à base d'huile végétale pour me donner bonne mine, pour nourrir ma peau, pour voilà, shiner un peu et qui aussi m'apporte de la douceur. Donc ça c'est un petit sérum que je suis venue mélanger avec des huiles que j'aimais bien. Si tu veux la recette de cette huile, n'hésite pas à me le mettre en commentaire et je te le ferai avec plaisir. De toute façon, demande et j'exécute tout simplement. Donc là, comme tu as pu le voir là, ma peau, regarde mes lèvres sont super secs, secs, secs. C'est parce que je n'ai rien mis sur ma peau ni sur mes lèvres. Donc là, je vais commencer ma skincare routine. Sous la douche, je suis venue laver mon visage avec ce gel nettoyant de chez Bioré au charbon qui est vraiment super. Pour toutes celles qui ont un excès de sébum monstrueux, qui ont une peau qui graisse facilement, ça c'est un gel vraiment fait pour toutes celles qui ont la peau grasse, qui ont aussi des apparitions de boutons de temps en temps qui pointent leur nez, on sait pas pourquoi. Donc ce gel il est super bien, tu vois, comme tu vois là, moi ma peau elle est... J'ai pas mis de filtre, hein, je te rassure. Je l'utilise matin et soir. Bien entendu, tu peux l'utiliser une fois par jour, ça suffit amplement. Mais voilà, moi, il me purifie très bien la peau. Il me nettoie très 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 bien la peau aussi. C'est tout simplement un bijou. Ce que je vais venir faire ensuite, c'est de venir remouiller mon visage avec de l'eau tiède. Pourquoi? Parce que je vais venir gommer, exfolier mon visage et mon cou. Du coup, par la même occasion, je vais mouiller mon visage. Donc voilà, une fois que mon visage est mouillé, je vais venir utiliser ici mon gel nettoyant exfoliant de chez Inoya que j'aime beaucoup beaucoup. Franchement, ce gel là, il est super bien, il nettoie vraiment très bien ma peau, il me gomme parfaitement mon visage en douceur. Pourquoi? Parce que il y a des microbilles de bambou qui sont vraiment toutes petites et c'est ce qu'il faut exactement à ma peau. Donc ma beauté, si tu as la peau grasse et que tu cherches un gel vraiment nettoyant qui est doux, eh bien écoute, Inoya, hein, moi je te le conseille. Hein. Il est doux, il gomme parfaitement le visage. Et je vais te montrer un peu la texture du gel. Ah, regarde-moi ça. Ah, c'est trop doux. C'est trop doux, regarde. Tu vois la texture, c'est vraiment comme un gel. Et il y a vraiment des toutes petites microbilles, mais je ne sais pas si tu vas voir. Non. Tu vas pas pouvoir voir, c'est dommage. Donc là, je viens l'appliquer sur tout mon visage en faisant des massages circulaires tout doucement. Pas la peine de frotter, pas la peine de frotter fort, d'aller vite. Non, ça sert strictement à rien, tu vas encore plus agresser ta peau. Donc tu fais ça doucement, hein, tu vois. Ton visage, franchement,
je trouve que c'est la partie du corps la plus fragile, la plus sensible, puisque c'est l'une des parties du corps qui est le plus exposée à l'extérieur. Donc tu dois vraiment aller mollo avec ce genre de produit. Donc voilà, hop, tout doucement, tu vois. Et sur le cou aussi, on a dit. Voilà. J'ai fini de masser l'exfoliant, je vais laisser poser 2 à 5 minutes. En attendant, je vais aussi profiter pour exfolier mes lèvres parce que c'est très important, ma beauté, d'exfolier ses lèvres. Pourquoi cela, tu vas me dire? Bah, parce que c'est tout simplement joli d'avoir des belles lèvres douces, uniforme, enfin où il n'y a pas des crevasses, où il n'y a pas des peaux mortes qui se baladent partout. Et en plus de ça, ma beauté, si tu appliques un beau rouge à lèvres derrière, bah ça va te donner un beau résultat. Tu auras vraiment des lèvres vraiment douces en fait, et tu auras un beau résultat. Tu auras pas la peau qui, je sais pas, ça. Il faut t'exfolier les lèvres, ma beauté. Aujourd'hui, je vais utiliser l'exfoliant de chez MAC. Ici, j'utilise un échantillon de chez MAC qui m'avait donné. Il est trop bien. Tous les produits que je vais utiliser ici, même cet exfoliant, je te le mets en barre de description. Donc, n'hésite pas à aller voir, à aller check-up. S'il y a un produit qui t'intéresse, bah, tu trouveras tout en description. Donc voilà, t'as pu voir comment est-ce que j'exfolie mes lèvres. Bon, c'est vrai que l'exfoliant de chez MAC coûte un peu plus cher, mais j'ai un petit équivalent à te proposer qui est vraiment très abordable et que tu peux vraiment trouver facilement aussi. C'est l'exfoliant de chez Kiko qui se présente comme ceci. Il est en forme de rouge à lèvres. Tu peux venir gommer du coup tes lèvres avec directement, ou alors venir rajouter tes mains et frotter comme je l'ai fait tout à l'heure. Il est vraiment super bien. Moi, je l'adore. Donc, si tu es à la recherche d'un exfoliant abordable et pas cher, bah, écoute, il y a celui-ci. Voilà, j'ai fini de poser. Ça fait peut-être 2 minutes, 3 minutes. Du coup, je vais rincer. Comme tu peux le voir là, ça a séché. Ça veut dire que c'est bon. Tu peux venir l'enlever. Hein, c'est bon. Donc c'est ce que je vais faire, donc je vais rincer et après on se retrouve juste après. Ah, ça fait vraiment du bien là, tu vois. Je sens que ma peau, elle est bien toute douce, toute crémeuse, toute satisfaisante. En fait, c'est trop satisfaisant de prendre soin de sa peau, de se chouchouter un peu. Alors, tu peux t'arrêter là, hein, tout simplement, hein, ça ne dérange absolument pas. Mais moi, je vais continuer parce que j'ai remarqué que la routine que j'effectue, ma peau, elle apprécie énormément. Mais moi, je vais continuer. Du coup, je vais venir appliquer un masque. C'est le masque de chez Belif. Tu vois, je l'ai toujours, il est vraiment bien. Ça a une texture un peu gélatineuse, tu vois. Mais dès lors que tu l'appliques sur ton visage, ça vient créer une mousse, mais trop bien. Enfin, tu vas voir au fur et à mesure. Hein. Donc, je te montre ça tout de suite. Alors, je viens appliquer une grosse quantité, hein, et bien entendu, j'évite le contour de mes yeux. Hein, c'est très important de ne pas venir appliquer des produits sur le tour de tes yeux quand même. Hein. Hop, vraiment partout ici au niveau du nez, surtout au niveau du nez. Voilà. Voilà. Tu vois, regarde comment ça se transforme en mousse. Tu vois, je t'ai pas menti. Tu vois comment ça se transforme en mousse? Ouais, c'est trop bien ce masque. Ouh, regarde ma peau qui s'améliore de jour en jour. Elle est trop bien, ma peau. Qu'est-ce que t'en penses?
Là, en ce moment, je suis très contente de cette routine. Ça me fait du bien de prendre soin de moi. Voilà, de me recentrer sur moi. C'est trop bien, c'est trop bien. Du coup, ici, pour mes paupières, je vais venir utiliser les teintes lissantes de chez Pixi. Je crois que tu connais cette marque, t'en as déjà entendu parler. Pourquoi est-ce que je viens l'utiliser? Bah, parce que je me couche de plus en plus tard, je suis de plus en plus fatiguée. Et pour éviter que les cernes soient trop marquées ou se voient beaucoup, bah du coup, je viens utiliser ces timbres-ci qui sont vraiment super. Je viens en prendre là. Hop. Je viens prendre ça. Ensuite, je viens l'appliquer comme ceci. Voilà, tu vois. Hop. Donc du coup, ma beauté, ces timbres vont me permettre, comme je t'ai dit, d'atténuer mes cernes, d'hygrater du coup cette zone qui est vraiment très sensible, qui marque très vite. Pour le reste de mon visage, je vais aussi appliquer un peu le même style que j'ai mis sous mes paupières. Bah du coup, ça sera pour le visage. Ici, je vais venir utiliser des masques en tissu pour le visage que j'aime beaucoup. J'en avais toute une collection qui se présente comme ceci. Je les ai achetés chez Intermarché, c'était vraiment pas cher. Je sais pas s'ils en font ou s'ils en refont pas, j'en sais rien, mais je pense que tu peux vraiment les trouver facilement. Ça a été inspiré par la skincare routine des coréennes qu'ils ont mis comme ça en tissu. Je te montre un peu ma petite collection. Alors ici, c'est un tissu pour purifier la peau. C'est à base de thé vert, riche en catéchine, en vitamines. Ça purifie la peau et ça resserre les pores, donc vraiment top. Ici, on a un masque visage au beurre de karité. Bon, pour te dire que c'est très 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 nourrissant, bourré en vitamines. Ça permet de rendre la peau éclatante et resplendissante. Après, j'ai le masque en tissu au riz. Oui, au riz, t'as très bien compris. T'as très bien entendu, c'est un tissu au riz riche en vitamine B, en vitamine E et en magnésium. C'est un masque qui a un effet éclaircissant et blanchissant. Donc ça veut dire, ma beauté, que si tu as une peau terne en ce moment, si tu as une peau qui en manque d'éclat, de brillance, eh bien écoute, du riz, enfin du riz, oui. Mange du riz, oui, c'est bien, mais bien utiliser un produit à base de riz. Moi, ici, c'est celui-ci. Et pour terminer, qui est celui qui est mon préféré, c'est le masque au tissu à l'aloe vera qui permet de soulager les dommages dus aux rayons UV durant la journée. Ça permet d'hydrater la peau, c'est riche en vitamines. Donc ça, ce genre de masque est vraiment super, surtout en été. Tu sais, comme il y a le soleil et moi, comme je suis tout le temps dehors, bah, ce genre de masque en tissu, c'est vraiment bien pour moi. D'ailleurs, j'en ai presque plus. Il faut que j'aille voir si Intermarché, ils en ont en compte. Donc, lequel est-ce que je vais utiliser aujourd'hui? Bah, je vais utiliser celui au thé vert. Voilà. Parce que j'ai envie de venir un peu plus purifier ma peau. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je vais venir l'appliquer sur mon visage. Donc, je le déchire. Comme ça. Et je viens le retirer. Regarde-moi ça, c'est trop satisfaisant. Tu sais, moi j'aime bien venir retirer les produits de leur emballage. C'est trop bien, ça me satisfait tellement. Je viens déplier. Tu vois, c'est vraiment en forme de visage. Et comme d'habitude, je le tiens tout le temps à l'envers. Enfin, laisse tomber. Et tu sais, ma beauté, pour venir utiliser ce genre de tissu, il faut que ton visage soit bien nettoyé, soit propre et que tes pores aussi soient ouverts pour que les actifs entrent et pénètrent sur ta peau. Voilà. Et après, je viens appliquer comme ça. Ah, c'est trop frais, ça fait du bien. Ouh. Peut y arriver qu'il en reste du produit en bas. Donc moi, ce que je fais, c'est que je viens presser, tu vois, je viens vraiment presser, hop, et ce qui reste, je viens l'appliquer au niveau de mon cou.
Voilà. Ce masque, je vais le laisser poser 20 minutes. Voilà. Les 20 minutes sont passées. Et là, du coup, je vais enlever ce tissu-là. Ça fait du bien. Honnêtement, je te mens pas. Ça fait vraiment du bien. Et là, je vais enlever aussi ça, pareil. Ah. Ça fait grave du bien. Donc, je viens refrotter du coup. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu aimes le résultat? Moi, en tout cas, si, moi j'adore. J'aime trop le résultat. Ma peau, elle est purifiée, elle est propre, elle est magnifique. Tu peux le voir là. Ouh! Après avoir utilisé ce masque, tu n'es pas obligé de venir rincer. Moi, personnellement, je ne viens pas rincer. Hein. Au contraire, hein, je laisse ça sur ma peau. Voilà, je viens même faire pénétrer le produit encore plus sur tout mon visage. Ça fait du bien. Vu que j'ai pris soin de mes paupières, je vais venir les hydrater encore plus avec ce gel de chez La Neige que j'aime beaucoup. Il est très hydratant. C'est pour le contour des yeux. Il est en forme de gel. Voilà, tu vois, il est vraiment en forme de gel. C'est vraiment de l'eau quoi. Moi c'est comme ça que j'appelle ça. Je vais en prendre une petite noisette que je viens appliquer là comme ça. Ensuite avec ce doigt-ci, je vais venir masser comme ça et venir faire démonter comme ça. Voilà. Toujours sur la même direction. Je vais même en appliquer aussi sur mes yeux, sur mes paupières. Et hop, comme ça. C'est pour lisser en fait la peau. Je n'appuie pas, pas la peine d'appuyer beaucoup. Pas la peine de faire ça, hein. Ça sert strictement à rien. Comme ça, tu fais des montantes. Tu lisses ta peau, tu lisses ton dessous des yeux. Voilà, tu regardes vers le haut et tu lisses. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais venir utiliser le gel hydratant de la même marque, de La Neige. C'est un gel comme ça. Franchement, pour les peaux grasses, pour les peaux vraiment très grasses, les peaux à tendance grasse, ça c'est vraiment un très très bon sérum hydratant. Il n'y a pas de gras, il n'y a que de l'eau, il n'y a que des actifs, il n'y a que des humectants hydratants. Donc c'est en forme de gel, c'est quelque chose de vraiment très léger, hein, tu vois, comme tu peux voir là. C'est de l'eau. Ce gel là, il ne me donne pas de boutons. Il m'hydrate parfaitement la peau. Il est super léger. Il s'absorbe très rapidement. Voilà. Tu vas voir le résultat juste après. Et pour parfaire le tout, je viens utiliser ma nouvelle crème. Mon soin hydrate pur de chez Amity. C'est pour les peaux mixtes à grasse. C'est une crème vraiment très onctueuse que j'aime beaucoup. Je suis en train de le tester et franchement, j'adore le rendu qu'il apporte à ma peau. Je viens, comme d'habitude, masser entre mes mains et après venir l'appliquer. En plus, ça sent trop bon. Ça sent super bon. Voilà ma beauté, j'ai terminé, je vais te montrer mon résultat, le résultat de ma peau, tu vois. Et voilà ma beauté, ma routine, elle se termine. J'espère que tu as apprécié. C'était vraiment un moment pour moi, un moment pour toi. Je tenais vraiment à te partager cette petite skincare routine que je fais pratiquement une fois par semaine. Parce que comme je t'ai dit, je n'ai vraiment plus le temps de m'occuper de ma peau. Donc faire tout cela vient un peu rattraper un peu, tu vois, mon manque de soins pour ma peau. Comme tu l'auras bien compris, c'est une routine pour les peaux mixtes à grasse, pour les peaux à imperfection, pour les peaux qui ont vraiment des tâches.
massage. Donc c'est vraiment une routine qui va vraiment venir nourrir ta peau, nettoyer en profondeur et hydrater aussi ta peau. Et comme tu peux le voir là, ma peau elle est lumineuse, elle est vraiment belle, elle est trop bien. Voilà ma beauté, si cette routine t'a inspiré, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. J'aimerais aussi savoir ce que tu mets au niveau de ta peau. Donc ma beauté, je te dis à très bientôt, je t'embrasse, je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt. Mouah.